Salut tout le monde, bienvenue sur Footpack. Aujourd'hui on est à Paris avec Intersport, Puma et le joueur du Paris Saint-Germain, Kaïs Ruiz Attil, dans le cadre du lancement de la nouvelle Puma Future Z. T'es un nouveau joueur Puma depuis peu, tu peux pas empêcher de voir que t'as la Puma Future Z au pied. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le discours de la marque? Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette Puma Future Z? Déjà c'est une paire, elle est très légère. Et elle est un peu pour les joueurs techniques. Mm-hmm. Ça veut dire que je me suis dit que je vais l'essayer et ça m'a convaincu. Premier coloris, qu'est-ce que t'en penses? Super beau coloris. Ouais, plutôt chaussures flashy que chaussures sobres. C'est ça. Bon, maintenant on va aller se tester, on va se challenger autour de quelques ateliers pour voir si cette chaussure est vraiment une arme redoutable comme le dit Puma. Pas de soucis. Premier exercice de ce premier atelier, il va falloir passer à travers une forêt de plots. On va ensuite enchaîner avec un petit pont sur une haie avant de terminer avec un slalom et une frappe sur la bâche. Quand t'es prêt Victor? Ouais. Allez top. Oh. 10 secondes 74. Bon, j'espère que je vais te causer quelques problèmes. Attends maintenant. Et là, ça compte pas là. La S, ça compte pas, j'ai raté, mais bon, ça m'a fait perdre du temps au contraire. Prêt? Go! Bien joué, bien joué. 9,80. Bien joué, Kaïs. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour améliorer notre technique justement? Il faut regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, des joueurs qui t'inspirent. Et après, tu essaies de reproduire ça aux entraînements. Tu t'entraînes tout seul un peu. Et voilà, après, tu essaies de faire comme eux. Ouais. Et ça donne ça. Un petit secret quand t'es en 1 contre 1 face à un joueur? Mon geste préféré? Ouais, ton geste préféré? La virgule. La virgule? Ouais. On passe au deuxième challenge maintenant, je vais essayer de me rattraper. C'est parti. Deuxième atelier, on va travailler la passe et la précision. 3 buts sur la même ligne. 1 point pour le premier, 3 points pour le deuxième, 5 points pour le troisième. On a 5 ballons chacun. Le joueur qui marque le plus de points a gagné. Oh! 0 pour le premier. Un point, essayez de recoller au score, au moins. Oh. J'avais peur que tu prennes l'écart, là, deux ratés, c'est pas bon. Allez, bon. 5. On passe devant. La dernière, ça compte. La dernière, c'est 5 points. C'est 1, 3, 5. 5-2. Allez, pied gauche. Onze deux. Et dernière frappe. 11-3. Bien joué quand même. Est-ce que tu nous donnes un petit conseil, toi, justement, comment ça se passe quand tu es sur le terrain pour réussir sa passe? Il y a peut-être le contrôle, se situer avant. Pour prendre l'information avant de recevoir le ballon. Et avant de recevoir le ballon, il faut savoir ce que tu vas faire. Ouais. Et c'est comme ça, après, tu arrives à trouver la dernière passe ou la bonne passe. Bon, allez, il y a un partout. Dernier atelier, on va voir qui va gagner ce challenge. Ouais, c'est parti. Troisième et dernier atelier, on va s'affronter sur une séance de penalty avec un gardien et avec la bâche Intersport. L'objectif, c'est de fermer les quatre zones pour reproduire le Z de la Puma Future Z. Un partout, challenge décisif. J'ai commencé les deux premiers, tu veux commencer ou... Non, je commence. Je commence, Shifumi? Oui. Allez, en une manche? Oui. Shifumi. Eh, je commence. Tu commences. C'est vrai? Ah, le petit saut juste avant la frappe. Oh, c'est pas beau ça. C'était limite, mais ça passe. 2-1. Oh, c'est pas beau ça. Ça fait 8, mais ça compte pas. 2-1 toujours. Je peux en venir, je peux égaliser. Il n'y a pas un bien tiré, c'est pas beau à voir. Ça fait 3-1 ça. Ouais. Il en reste plus qu'une. Non mais... Oh, la honte, la honte.
Bien joué. Ça rentre quand même. Ça fait pas de points. Bon, aucun de nous deux n'a réussi à retracer le Z comme c'était convenu au début de cette vidéo. T'as marqué plus de pénalty que moi, on va dire que t'as gagné. Merci, merci à toi pour ton temps, pour ta participation. Merci à Puma également. Le mot de la fin pour terminer sur cette Puma Future Z. Incroyable. Ouais. À vous de faire la même chose sur le terrain. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous laisse. Je vais m'entraîner au penalty. Et n'oubliez pas, la Puma Future Z est d'ores et déjà disponible dans tous les magasins Intersport et sur intersport.fr.